Et bonjour, je suis Monsieur K. Vous êtes bien dans The Big Game of Ski, dans la cinquième saison même de The Big Game of Ski. Et on va partir ce soir pour explorer un nouveau jeu. Non, un vieux jeu, justement. Et on va voir ce que c'est que ce titre, un petit peu à part et que vous verrez peut-être rarement en vidéo. Il s'appelle Eastshade, qui est un jeu d'aventure mélangé avec un simulateur de peintre, photographe, de photopeintre ou de grapho. Je sais pas moi du coup, mais le jeu est vendu d'une manière très très étrange. C'est sûrement ce qui a fait qu'il n'a pas eu un énorme succès, j'imagine. Et il vous met dans la peau de quelqu'un qui explore des lieux et qui doit en tirer de magnifiques images. Alors ce soir, j'ai prévu tout le kit et je vous révélerai tous les secrets pour How to Comment to Fabric Beautiful Pictures. Et on va essayer de faire des images très calendrier de Noël que vous refourguent différentes associations et autres vendeurs de timbres. Regardez comme on est bien ce soir. Oui, je suis tout nu dans la forêt, mais vous ne le voyez pas puisque c'est moi qui tiens la caméra. De big, comme d'hab. Alors, je vais peut-être devoir vous remonter le son, je sais pas, on va voir. Oh mon Dieu, que la souris est sensible. Bon, clavier français, ça va. C'est la bonne nouvelle. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Mon mulot est beaucoup trop sensible et il faut que la tête. Qu'on trouve quelque chose. On est bien là, les gars, non? Allez, on y va calmement, tranquillement. Vous entendez le bruit derrière? Oui, c'est la mer qui nous appelle. Est-ce que je suis encore nu? Pourquoi vous vous posez cette question? C'est pas Naked Simulator, hein, c'est un simulateur de. D'animaux qui lisent dans une taverne ou un bateau. Salut les gars, ça va? Tu bookines quoi? Ça a l'air intéressant. Je peux regarder avec toi? Non, bah j'y vais, ok. T'as l'air beaucoup trop intelligent pour que je te cause, toi. C'est ton frère qui est là-bas? Bah, je vais lui causer d'abord. Hé, Lusa? Forgive an old woman, Veuillez but pardonner une I've vieille forgotten dame, her mais name. j'ai oublié votre What nom. was it Pourriez-vous me again? le rappeler? Je suis The Big. Tu connais pas The Big? T'as pas Internet? Non, de Zeus, mais comment on va faire? Would you mind getting my book from the sleeping Auriez-vous quarters? l'amabilité d'aller chercher mon There livre dans my la bones cabine? sit Mes vieilles resting. jambes sont It's fatiguées. Il called s'intitule Great De grands Voyages. voyages. Je fais bien le vieux, hein, vous avez remarqué? Ouais, j'ai des années d'entraînement. Le journal me permet de me rappeler ce que je dois faire, parce que je suis vieux, j'ai des années d'entraînement et il se pourrait qu'à un moment je me rappelle plus ce que je dois faire. Oh là là, le mec, on dirait qu'il s'est vraiment entraîné toute sa vie. Je vous rassure, hein, j'ai 15 ans toujours. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi? J'ai un truc sur la joue là? Oui, j'ai un vieux steak de hier. J'ai dormi dans une assiette de steak. On y va! Hop, hop, hop! Dans ta chambre? Mais elle est où ta chambre, vieille? Vieille? Vieille dame? C'est vieille gueule. Oh! Elle est où ta piole? C'est pas ça quand même. Ah bah si, regardez. Ok. Propriété de Clarès. Si trouvée, merci de la porter au Port Lindau. Il y a beaucoup de choses à lire puisqu'il va falloir s'immerger dans l'ambiance du jeu qui est, somme toute, particulière. J'ai trouvé ton quimbo, meuf. Meuf. Thank you very much. Je vous remercie, j'ai lu si souvent ce vieux I've livre. Et pourtant, j'y découvre de nouvelles choses chaque fois. Il ne manque jamais de me donner envie de repartir à l'aventure. Quel merveilleux doublage. Avez-vous l'âme aventurière? Bah ouais. Ah, tout comme moi, j'ai pourtant poursuivi l'aventure toute ma vie, croyez-moi. Si vous If restez you un stick peu à around at Eastshade, Eastshade, je pourrais vous maybe raconter I'll tout ça tell un de ces you all jours. about it sometime. Vous avez un Captain doublage Ilona told exceptionnel. me we'll be landing in Lindau Capitaine Ilona shortly. m'a dit que nous ne I think tarderions we're pas all à coster land à since you Lindau. arrived. Nous sommes tous impatients de. J'ai pas eu le temps de finir de lire, espèce de. Ah! Vous venez de découvrir un nouveau sujet de conversation. Va falloir que je discute avec beaucoup de gens. Comment sociabiliser grâce aux jeux vidéo? Mon Dieu, pourquoi?
Ok. Bon, ben, c'est bien, je vais discuter avec ton frangin, quoi, ou ton mari, ou ton frère, ou. I've Bonjour. never been to East Shade. Je n'ai jamais I've été à heard East Shade, wonderful j'ai things entendu about des it. choses Did you know that incroyables. the people there Savez-vous, usually que les cover their habitants mouths avaient pour with habitude de garments? couvrir leur bouche avec un I've morceau heard de that tissu? since Il one of the semblerait que few cette coutume styles. soit passée de Quite a mode. Ça strange devait être fashion vraiment sense, bizarre, if vous ne you ask trouvez me. pas? As long as East Shade Tant qu'East doesn't Shade rot ne like this tangue pas ship, autant que ce I will bateau, love it. je sais que ça me plaira. Si on choisissait un sujet. Au revoir. Non, je vais essayer de faire le mec What's the sympa. point? A little C'est la seaside petite ville town with pittoresque dans laquelle humanity. nous débarquerons. It's D'après one ce of que the l'on m'a many dit, gems of c'est the l'un des nombreux country, joyaux Edward. de ce pays. Au revoir. Yeah. Almost there. Ouais, on se voit à la taverne. Allez, on y va. On est arrivé là, c'est bon. Je vais discuter avec la... That did not sound Oh, good. je n'aime vraiment pas ça. Ouh, what the fuck? Mais qu'est-ce qu'il est titère C'est Sea of Thieves! Ça recommence! Vite sur le pont, les amis, suivez-moi! On va tous se noyer, on va tous mourir, je vous le dis. On va mourir, allez, c'est bon. Je vous laisse, vous êtes pas drôle. Moi, je sais nager, pas vous. T'ai-je déjà parlé du voyage à East Shade que ton père et moi avons fait? Raconte-moi à nouveau. De tous nos voyages, ça reste mon préféré. Tu sais, si un jour tu cherches l'inspiration pour tes peintures, je sais, maman. Dis-moi que tu t'y rendras un jour, promets-le-moi. C'est promis. T'imaginer en train d'explorer Shane me rend si heureuse. Je sais que tu trouveras l'inspiration là-bas. Ce sera une aventure incroyable. Écoute, il y a des endroits qu'il ne faut pas louper, sous aucun prétexte. Assure-toi de peindre l'arbre géant. Ah, je m'en souviens comme si c'était hier. Comment saurais-je lequel est-ce? Tu ne pourras pas le louper, crois-moi. Et les falaises de Riffland, le merveilleux ciel de la campagne. Je peux déjà t'imaginer là-bas avec ton chevalet, en train de faire un tableau superbe. Ces cieux clairs et cette mer à perte de vue ne peuvent qu'émouvoir une âme d'artiste. Très bien, je le ferai. Et la ville? Il y a des bâtiments splendides au centre. Depuis le dernier étage, on peut voir toute la ville et même au-delà. Tu ne pourras pas t'empêcher de sortir tes pinceaux. Ah, à bientôt. Tu y seras bientôt? Tu devrais te reposer, maman. Les dernières volontés. Eastshade. Si je vais vous doubler intégralement le jeu, ah que oui! Alors il faut que je trouve le gros arbre, il faut que je Evoke. trouve la ville. Il faut que je trouve un autre truc, mais je l'ai déjà oublié parce que. Non, je suis pas vieux, mais merde. Are you feeling okay? Ouh, il faut que je prenne cette chose. Oui. Et que je baisse le son du jeu. Le fantôme de Ron Burgundy a encore frappé. On devrait être bon là, ça vous va, ça vous va? Ça vous va, ça me va. On y retourne. Oui, il faut que je prenne ça, parce que pour être un artiste, ah, je vais vous faire voir après, mais il faut être complètement pété, quoi. Si vous n'êtes pas pété, vous n'êtes pas un artiste, ça marchera jamais. Salut. Souvenez-vous, j'étais sur... Les dialogues sont un peu rapides, hein. On voit que votre mémoire est intacte. Vous êtes échoué sur la plage peu après le naufrage. Vous n'auriez pas survécu longtemps dans ces eaux glacées. Tous les autres s'en sont sortis? D'après ce que je sais, vous étiez la seule personne manquante. Les autres passagers sont en ville, sains et saufs. Où sommes-nous? À Ischel, bien sûr, dans ma maison pour être plus précis. Je n'accueille normalement pas les visiteurs, mais je peux guère vous reprocher d'avoir flotté jusqu'ici sans y avoir été invité. Est-ce que mes affaires ont flotté ici? Seulement votre chevalet, n'oubliez pas de l'emporter quand vous partirez, même si les courants glaciaux n'ont pas réussi à vous en séparer. Il doit compter beaucoup pour vous. Il parle vite, le bougre, hein? Je vais me baisser le retour parce que ça doit passer dans votre micro. Dans mon micro. Dans notre micro, on le partage. Merci, je penserai à le prendre. J'étais sur le point d'aller en ville pour les informer de votre survie. Vous devriez leur annoncer la nouvelle en personne. Suivez le chemin qui monte. Merci de votre aide. Mon chevalet, il est où? Ah, je voudrais pas m'en séparer. Et là, j'ai mon sac.
dans lequel il y a absolument que dalle. Même pas une petite boisson. Mais ça, on va le corriger assez rapidement, moi je vous le dis, croyez-moi. Je peux... D'accord. Vous n'avez pas encore créé de toile ou de peinture. Quand vous aurez créé une toile, vous la retrouverez ici. Ok, attends, on va voir les autres trucs. Aucune toile ou peinture. Ah, t'as pas... D'accord. Dernière volonté, aider une vieille dame. Ok, ça c'est mon pense-bête. Parce qu'il est probable que je ne pense pas assez fort. Et que je sois plutôt... bête. Alors, le côté aventure, je pense, va être très minimaliste. Et l'idée, c'était de vous faire triper dans un jeu. Est-ce que ça va être réussi? Vous le saurez très bientôt, chers amis. Puisque Monsieur K va vous faire voir. Regardez ce magnifique paysage. Moi, je mets mon chevalier là. On peut pas mettre le chevalier? Regardez, je m'installe. Ah, mais j'ai pas de toile, j'ai rien, j'ai pas de balle, j'ai que mon chevalier et mon couteau. Ça fait pas grand-chose. Alors, je vais m'évertuer à vous gâcher l'ambiance détendue de ce jeu. Puisque... il va y avoir une certaine lenteur, car je constate avec vous qu'il n'y a aucune touche pour courir. Donc courir, je ne peux pas. Et au rythme du jeu, on évoluera. Alors probable qu'à l'époque, c'était high-tech. Mais encore, j'ai le doute, parce que là, il manque quand même du gros smoothing, les kiki. Alors on va aller dans les options une nouvelle fois, mais... je crois pas qu'on va pouvoir améliorer ça. Ça va pas améliorer grand chose tout ça. On va voir. On va voir ce qu'on va voir, les amaches. Un petit shift pour. Ah si, il cavale un peu quand même. Le shift cavale. Regardez-moi ces magnifiques ce bloc. Oui, j'en prends. J'en prends plein. Pourquoi faire? Vous n'avez pas vu les recettes dans Breaking Bad, vous. Ah nanana, j'ai dit que je restais agréable aujourd'hui. J'en prends encore un peu là. Un petit peu aussi. Après, il faudrait que je trouve du liquide vaisselle. Pourquoi faire? Vous ne voulez pas le savoir. Hop là. Bon, bah, j'ai fait les courses là, c'est bon. Où c'est qui m'a foutu ça dans l'inventaire? Livre, boisson, équipement, tout. J'ai des poches à fleurs blanches. Un fruit bulbe blanc qui a plutôt la particularité de sonner creux. Bien que ça. Je pourrais piquer des bougeoirs, mais... où c'est caillou, là? Oui? Oui, profitez du calme et de la sérénité. Peindre des tableaux de reine, votre inspiration. Vous gagnez de l'inspiration en visitant de nouveaux lieux. Et en essayant de nouvelles choses. Voilà, je peindrais bien quelque chose, mais tu veux pas me proposer de poser mon chevalet. Pourtant, Michel aimerait bien prendre l'air. Oui, je vais l'appeler comme ça, mon chevalet, car les vieux savent très bien pour qui. Hein. Saluons un peu les habitants du coin. Hola, que tal? Muy bien. Oh, un mioco. Ah, une nouvelle arrivante! Si à la Villière vous avez besoin d'un moyen de transport pour atteindre Nava, venez me voir! Très bien, merci. Non, me parle plus, c'est bon, parle à maman, regarde. Hop, 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 moi j'y vais. Monsieur qui a toujours intenable dans les jeux, mais pff, pas que, hein, regardez. Je peux être intenable dans plein d'autres choses. Y compris. Un vaccinodrome. Je pense qu'ici sera le prochain point où je ferai ma toile, qui s'intitulera... Putain, qu'on est bien, mais il n'y a pas assez de barres. Oui, c'est son nom. Allez, on y va. Hop, 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 hop. Est-ce que j'ai bien fait de vous streamer ce jeu? Je ne sais pas. Oh, quel mot, c'est la musique. Oh merde, il y a même des enfants. Oh non, on pouvait être peinard jusqu'à maintenant, mais là, c'est foutu, quoi. Il va nous brouter le chignon, lui. Eh, nain. Non, tu voles pas. T'es un daim. T'as des toutes petites cornes, contrairement aux grandes et minables. Non, tu ne voles pas vraiment. Mais si, je me suis dit que je pourrais voler si je voulais vraiment. Mon papa, il dit qu'on peut tout faire si on le veut. Vraiment.
Presque tout, mais pas volé. Oh. Et voilà, là un rêve d'enfant brisé. C'est ce dont je me nourris tous les jours. Une matinée qui commence par un rêve d'enfant brisé, c'est mon petit déjeuner. Quoi. Monsieur K, très méchant. J'avais encore rien vu. Nanana. Tiens, tu es seul, tu boudes, tu as une jupe. J'ai un chevalet. Et il s'appelle Michel, tu sais. Et tu boues? Ça m'a super envie de causer, j'y vais. Je reviendrai de sortir la bague. Tu vas être mort de rire. On y va. Hop, hop, hop. Ah, lui, il a un chevalet aussi, mais je vais pas discuter avec. Parce que... Non. Voilà, c'est réglé. Fin du jeu. On y va. Ciao. Je peux commencer à parler à des gens qui m'intéressent pas, quoi. Hé, la vieille. T'as quoi à boire? Un truc de fort. Vous êtes sans doute l'un des passagers du bateau. Cette folle de capitaine, hein. Je vais pas tous vous les dire, je vous dirai que les plus drôles où on trouvera des personnages très pittoresques. Nika n'est pas pittoresque. Et voilà, y a pas de rhum, y a pas de rhum. Vie de quoi? Vie de grenier, une fois de plus, on y va. Alors, mélange, il devient. Je vais pas acheter, j'ai pas d'argent. Comment on se fait de l'argent, les gens? Les gens! Ouh! Oui, je suis un artiste chiant comme tous les artistes. J'ai du caractère et ça. Tout le monde n'arrive pas à le supporter. Je vais prendre cette assiette. Puis je vais voir ce qu'il y a là-haut. Oh, on peut monter. Quelle sophistication. Regardez ce livre, je vais le chourer. Vous avez tout lu? Vous êtes sûr? Sûr? Hop, 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 on y va. Ah bah, on n'est pas là pour dormir, hein. Même si c'est peut-être une auberge. Oh, c'est verrouillé. Regardez de l'autre côté, il me semblerait que ce soit verrouillé aussi. Ouais, bon. On va descendre. Ah, oh, j'ai failli me casser la margoulette. Il y a quelqu'un ici. Salut. I feel so adventurous staying here in Lindo. Ouais, bah t'as le regard éclairé du gars qui voit pas trop la lumière du jour. T'es un geek. I live in Nava, but sometimes I just long for the primitive life Lindo offers. How humorous you are! I like that in a person. Je suis gavé d'humour. D'ailleurs, Ah, mais ferme ta gueule. Si t'as une connexion, je te file l'URL de ma chaîne. The unbearable heat. I even had to eat outside. Overall, it was a dreadful experience. But I braved through it all. Bon, j'y vais, j'ai de la peinture à faire. I'm guessing you're... I so dearly wish my friends could see how adventurous I've become. Ouais, mais toi, tu parles de toi, tu dois être un artiste, hein, parce que t'es comme moi. Moi, je suis un artiste et j'arrête pas de parler de moi, c'est pénible, même moi, je me saoule des fois. On y va, on va voir l'autre croûte, là, ce qu'il voulait. Hé, hey, croûte! Hey, you have an easel! Oh. Are you an artist? Non, en fait, non, j'ai changé d'avis. So am I. Do you want to see what I made? Pas vraiment, mais j'ai la politesse qui me démange. Allez. Look. Oh. It took all day. But I want to. Ouais, il faut encourager la concurrence. Je vais vous donner un truc. Ça, c'est un truc d'artiste. Je vous le donne après. Faut encourager la concurrence toujours. Être soyeux en compliments et en adjectifs. Comme ça, ils vous verront pas venir le jour où vous les planterez dans le dos. Voilà, vous connaissez déjà un tout petit bout du milieu artistique. Continuez, restez avec moi après cette publicité. If you had jalapenos and beans for every meal, you'd have an atomic butt blast too. Boogerman for Sega Genesis. Hey, boogers aren't his only weapon. Wasn't me. But I don't know how to make a canvas. Là, il faut trouver une vierge déjà. Et après, il faut trouver la toile. Allez, viens, on le fait ensemble. Let's make it together.
artiste, after all. Je suis pas une gentille artiste, je sais pas si t'as vu, mais j'ai une grosse voix. Enfin, t'as entendu, non? Allez, des planches, du tissu, une vierge. Je te follow. Trace un peu, hein. Ouais, ouais, vas-y. Quoi? Non. Voilà. Dis-le enfant, j'avais un truc à te demander. T'es vierge, toi? Parce que tant qu'il y a avoir une toile et puis... Non, ça dérive. Oh là là, c'est pas bon, voilà du bois, regardez. Now we just need the fabric. Bah tu pourrais te dépoiler. Hop hop hop, j'avais dit que ça dériverait. Eh ben le tissu, regarde, il y a des voiles là-bas. Au loin, loin, loin. Oui, ça résonne toujours quand c'est au loin. Ou alors sur ces bateaux, regarde, enfant, le enfant. On peut soit aller chercher ça, mais alors ça c'est loin, tu vas y aller, puis tu me les ramènes. Ah, de tourner en rond, tête de ce... Let's keep going. Yeah. Let's keep going. Yeah. T'attends encore un coup? Let's keep going. Yeah! Wouhou! Bon, moi je dis c'est voile. Si on fait un petit trou au ciseau dedans, personne va rien calculer. Arrête de me regarder comme ça. On y va. T'as du bol d'être en corvier. Allez, suis-moi. Bon, j'ai une amie déjà. Et c'est un peu tôt dans le jeu, mais bon, c'est pas grave. Vieux, tu veux pas donner tes fringues? Tes fringues? Ouais, pas besoin. Regarde. Tu te grattes les... Oh là 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 là. Machine, le truc sur la tronche, c'est en trop, il fait soleil. Regarde, profite un peu. En plus, il y a deux lunes. C'est le jour ou jamais, hein, si tu veux bronzer. Ah, pap, 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 pap. On y go, les gros. Monsieur K, intenable, en train de gâcher l'ambiance de ce jeu bucolique. Totalement. Serait-ce un fait volontaire? Pas du tout. Oh, regardez, du tissu. Snip. On vérifie, hein. Des fois que je me sois fait prendre pour un... J'ai bel et bien du tissu. Il est pas très doux. Mais... Avec un peu d'astuce, de l'espièglerie. Voyons voir ce que dit mon enfant. Il est parti où? J'ai perdu mon enfant. Enfant! Enfant! Reviens! Oh! Oh! Qu'est-ce qui se cache ici? Regardez. Hop, du bois, du tissu, en veux-tu, en veux-là. Et je peux déjà fabriquer dans mon inventaire du tissu sans même avoir besoin de m'encombrer d'un enfant. C'est fou, hein. Je te parlerai après, je fabrique un truc, regarde pas. Ah, regarde pas, je vais me cacher là. Moi. Alors, comment je crafte mon merdier, moi? Faut que je discute avec quelqu'un. Ouvrir la fenêtre artisanat, c'est là. Ah, je peux faire la toile, là. Oh, c'est magnifique. Oh, du calme, du calme, du calme, du calme. Ah, oui. Pense à ta tachycardie, papy. Oh, discuter avec l'ours du coin. Eh, c'est combien? T'as l'air tout doux, je peux me frotter un peu? Allez, viens, je me frotte. Allez, un petit coup. Allez, t'es pas cher. Il me regarde pas comme ça, ça me... Oh, on dispute alors. Ok. Watch your step there. Lots of moving boxes around here. You're looking a little waterlogged. Guessing you just came in off of that ship. I think you even got some seaweed hanging from your ear. Eh, we all have those days, right? I mean, my dad got in a shipwreck once. Oh no, he's fine. Just lost his leg is all. So, you probably... Mais je vous fais pas tous les doublages. Vous avez pas de bol, hein. Would you do me a huge favor? My brother loves raspberry-filled pastries. Loves them. He can't get enough. But raspberries don't grow here. Now, the thing he hates is grape-filled pastries. I mean, we all hate them, obviously, but he hates them even more. He once saw an old lady eating some, and he grabbed the... Okay, so what I did was fill his raspberry pastry bag with, grape pastries. Can you imagine what he's gonna do when he eats one? He'll go insane. He's always suspicious of me doing something like this, though, so it would be... Perfect. Really? Huh. Don't think of it as a prank. Think perfect. You gotta play the part though. Really? My brother lives over in Nava, so I'll meet you there in a few days, right? I'll probably be in the bay. You just come find me and I'll point my brother out to you. C'est pas ultra engageant, mine de rien. Hop, pour Bibi, ça. On va continuer de faire fouille. On va aller jusqu'au bateau, hein, histoire de dire qu'on n'est pas sorti pour rien. Vas-y, jump. Oh! Vas-y, jump. Yeah.
j'ai bien fait de venir. Vieux. Hey. C'est gentil. Slow down traffic too much, though. I'm just glad you all made it. Fabric. You go through loads of it. Oh, c'est gentil. Toi, t'es vraiment le mec le plus sympa de tout le Blaze. On discutera plus tard, hein, si tu veux bien. Et j'ouvre mon inventaire et hop, et je fabrique encore une toile. Parce que je suis un ouf. What? Ok, je vais aller peindre un coup. Ouais, j'ai une grosse envie de peindre. Ça, c'est de la toile, je pourrais y prendre. Ce chat, je pourrais peindre avec. Mais comment ça, ça ne se fait pas? Mais je vous jure que si, vous n'avez jamais peint avec du chat. Bah, moi, Wan, je lui ai appris comment on faisait. Enfin, je lui ai pas appris, il a appris toute seule. Alors, comment ça? Bah, je vais vous raconter le temps qu'on trouve un truc intéressant à faire. Il était une fois Wan, le chat le plus intelligent de l'univers. Non, pas du monde, pas de cette planète, pas de ce système solaire, de l'univers en entier. Et c'était mon chat. Et ce chat, un jour, a découvert que je laissais traîner des cartouches d'encre. De bonne taille, certes. Usagées. Et que l'encre y était encore fraîche. Elle a dû lécher, mais elle a surtout tripatouillé. On a perdu qui? Annabelle! Oh non, elle était bien, Annabelle! Carries you across the oceans, and you don't even learn her name. Annabelle! My ship! Kind of you to say so. Kindness does nothing to bring off with you. Voilà, ça, je sais que ça l'énervait. Allez, je me casse. Et je vous disais donc, oui, bah, Wan, elle a découvert les cartouches d'encre épuisées. C'est fait un plaisir de les lécher un peu, peut-être. Non, sûrement. Mais surtout de mettre ses papates dessus. Et ensuite, partout où elle est passée, il y avait ses papates. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un magnifique sèche-linge, par exemple. Qui est décoré de multiples papates, de plein de couleurs. Ce sont les patounes de ma Wan. Forever. Et ça, si c'est pas la classe. Je vais virer sa merde, là, puis je vais le mettre à dessiner, moi, parce que là, c'est pas possible. Je peux poser mon chevalet quelque part, ou c'est trop demander les choumes? Alors, j'ai peut-être pas parlé à la bonne personne, encore. Je vais me mettre sur le point le plus haut, et je vais faire cette damnée peinture. Non. J'ai changé d'avail. Regarde, hop. Rends-moi ma peinture, mon chevalet, tout le bordel. Je vais aller me foutre là-haut. Oui, I have the plan. Monsieur K a toujours un plan. Et avec ce point de vue exceptionnel, qui ferait des jaloux jusque au fin fond de la contrée, je vais réaliser devant vos yeux, Zebobby, oui, Zebobby, vos yeux, une peinture d'une qualité. Vous m'en direz des nouvelles. On est perfecto, là. Regardez. Pof. Peinture. Bah, celle-là est très bien. Non? Ouais? Faites glisser pour ajuster la taille. Alors, je vais vous donner les vrais trucs, hein, maintenant. Parce que là, on va rentrer dans la partie sérieuse du jeu. Déjà, si vous visez faire des moitiés, vous sortez, hein, d'accord? Les trucs trop bien cadrés, c'est dégueu. Faut faire exprès de décadrer certaines choses, des fois. Pour que ça ait plus de gueule. Là, le pylône à droite, il va nous faire... Il va pas nous plaire, quoi. Donc, il va falloir qu'on évite de le faire rentrer dans le champ. Mais il va nous faire... Il va quand même nous faire... Alors, une technique très utilisée, que ce soit pour toute réalisation graphique, c'est la technique des tiers. Oui, divisez votre cadre en tiers. Hop, c'est fait mentalement, verticalement, c'est le plus facile. Hop, maintenant vous faites la même chose horizontalement. Voilà, c'est pas mal, ça rentre. Voilà. Là, vous avez la base déjà pour dégager un truc bien. Maintenant, si vous avez la vision puissante, comme Monsieur K peut l'avoir, vous faites une spirale, comme la spirale de Fibonacci. Oui, Fibonacci, la règle de 3. Faites des maths un peu, c'est pas parce qu'on est artiste qu'on est censé être stupide. Et donc, ça vous permet comme ça de réaliser qu'il y a 1, 2, 3, 4 endroits parfaits sur votre image. Oui, c'est des endroits où si vous mettez un sujet,
il flashera comme il ne flasherait pas en étant juste centré comme un con. Vous avez retenu la leçon? Bon, si vous êtes sage, on passe à une leçon plus compliquée après. Moi, ça me va. Là, c'était pas mal. J'aime bien le format paysage comme ça, là, wide. Regardez, c'est pas mal. Hein. On va essayer de prendre quand le homme fin y passe. Là. Ça fera un peu plus vivant. Pourquoi je parle comme ça? Parce que j'aime beaucoup parler comme ça. Enfin, pitch. Et j'appuie sur E, sur quoi? Ah! Regardez! L'image, c'est peinture lurée. Oui, j'ai un chevalet photographique. Et il s'appelle Michel. Alors, il est où mon fragging tableau? Là. Regardez comme c'est bas. Non! Oh putain, escape! Attends, on se casse, on se casse. On va refaire le tab. Je veux voir mes toiles, moi. Ça y est, ça va être la merde. Je sens que ça va être la merde. C'est la panique. Monsieur K a tout mélangé. Oh là là, équipement, boisson, livre. On bouge, on bouge. Rien ne s'est passé, vous n'avez rien vu. Cette leçon est annulée. On va aller voir des gens, on va discuter avec eux. Je vais leur faire voir ma peinture comme elle est belle. Et vous allez voir que tous vont être touchés par l'intensité de... Oh, c'est toi. Tu es sur le ship. On l'a déjà dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, thank... Oh, what a horrible experience. There, you look like you could use a nice cup of tea. This flavor is a bit strong for some people, but the effects can be lifted with a sip of water from your water skin. Apparemment, ils ont du thé qui défonce dans le coin. Ça peut aider à l'inspiration. I saw you talking with the captain. Bien. How she... That doesn't surprise me. Je crois qu'elle perd la tête, donc elle va bien. And her career. I lost most of my... Alors, il y a beaucoup de dialogues pour meubler, pour rendre le jeu plus trépidant, on va dire. Take care. Je voulais revoir mes tableaux, je peux pas les voir, c'est fou ça. Deux. En plus, il me reste que deux toiles. Seriously? J'en ai fait quoi des autres? Allez là. Elle pète ma toile, elle pète. Comment je la fais voir aux gens? Les gens, venez voir, j'ai fait une super toile. Les gens, oh bande de... Oh, vous connaissez rien à l'art. Elle est où la petite que je la dégoûte un peu? Hé hey, petite, regarde comment je suis fort. Non mais ça c'est un truc. Painting is amazing. I want to try. Can I have a canvas? We found enough stuff, right? Bah ouais, mais tu me donnes de l'argent. You never would have found that stuff without my help. Et alors? Oh. Allez viens, on va chercher des... Du bois et... Ça, on pourrait récupérer le bois de ton chevalet, par exemple. Vu les croûtes que tu fais. Non, t'es coincé là-bas dedans, j'ai l'impression, non? Eh, les poules. Allez lui dire qu'elle est coincée là-bas dedans, parce qu'elle pige rien, quoi. Ça avait pas beaucoup de dialogue, les poules. Bon. What to do, doudou? Je ne sais pas, je ne sais point. On va aller discuter avec la tavernière. La coutume, c'est de vendre ses croûtes au bar du coin pour payer ses ardoises. Vous comptez... Si, je déconne même pas. Hein. Ah. The traveling. It's me. Non. Certainly. Tu me l'échangerais pas contre ce que j'ai pas trouvé là. D'ailleurs, je sais même pas ce que c'est. Un cristal, une flèche de lance. Non. J'ai fait une toile, sinon. Non. Et comment dire-je? Je vais pas remonter là-haut. Il y a rien à faire. Alors, vu que je me rappelle pas, bah, je suis vieux, hein. Je vais prendre mon pense-bête. Une artiste débutante. Et je ne lui ai rien laissé, les maths. Bon, apparemment, faut que je lui file un petit peu de matos, parce que j'ai trop fait le rat. Allez. Yamine, Yamine, j'ai un truc pour toi. Regarde, dans ma poche. Are you still feeling moody? Non, ça va mieux, regarde. Tiens, je te donne de la toile. De rien. I'm going to be a moody artist like you when I grow up. C'est bien. Alors je te tapote la tête en faisant bien, bien, bien. Et surtout, n'oublie pas de faire chier les gens. Allez, on y va. Qu'est-ce qui nous manque? Quoi, c'est pas bon? Oh, faut que je fasse faire ces pâtisseries.
J'ai rencontré un gars, il m'a demandé de l'aider à faire une farce à son frère. Oui, mais faut que je trouve un autre ours. La boulangerie de Nava. Bon, on va peut-être aller à Nava, les amis. L'archer de Lino. Ah, j'aurais dû en discuter avec celle qui était là-haut. Alors, ça, on va le faire plus tard. L'architecte, on va s'en débarrasser maintenant. Eh, hey, madame, madame, j'ai retrouvé ma raison. Et un accent, tant qu'à faire. Eh, con. Madame. My cousin is so full of energy. One day he's flapping around like a bird. Ouais, d'ailleurs, tu devrais lui mettre du pros dans sa boisson préférée. Voilà, on y va. L'architecte de Lino, c'est parti. Oui, c'est pas un jeu auquel il faut jouer quand vous êtes trop speed comme moi. Là, c'est terrible. Lindo. Ouais. On a tout fait. Bon bah j'y vais. Il y avait rien à faire. Vous savez quoi les gars? On va se casser. On va se casser de là. Comment? Grâce à cette monture merveilleuse et ce personnage qui est là exprès pour. Amène-moi Nava. Oh tu fais yesh. Pourquoi tu proposes dans ce cas-là? And you've never been to Nava. Is not so far. And the walk is lovely. And if it's the cost of the toll bridge you're worried about, know that you won't have to pay it whether you're riding with me or not. My ox is strong. No? Eh ben, je vais y aller sans patate. Personne même ici sans patate, ça fait beaucoup quand même. Eh, truc. T'as pas de la monnaie, de la thune, des patates, la caillasse. Non, je ne t'ennuie pas. C'est juste, je me demandais si tu pourrais pas me dépanner, quoi. Parce que s'il y a un péage, je vais me faire piquer tout ce que j'ai. Ah, mais ça se ramasse, ça. On va ramasser tout ce qu'on peut. On est un manon. On se nourrit de peu. On fait les poches à tout le monde. Et je peux même couper par la forêt si je le veux. Si tel est mon désir. Mais je vais me paumer, je crois. Est-ce que Monsieur K va se paumer dans ce jeu? Vous le saurez tout de suite après cet écran de pub. C'est beau. Oui, mais pas assez pour que sorte mon chevalet. Voilà. Eh, personnage non joueur. Eh, personnage non joueur. Ça mord. Pic, pic, ploc, 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 ploc. J'ai fait fuir quoi? J'ai pas compris. Attends, dis-moi. Trying to get across the bridge, I guess. Oh, if you've got the Gloucester, the rule is you pay once and you can use it as much as you'd like. From other people, I think. It seems to me that you're in need of some money. What's all that you're carrying? Looks heavy. Are you some kind of painter? You know what? Maybe there's a way you can get the Gloucester. Dis-moi ce que je dois faire, dis-moi ce que je dois faire, dis-moi ce que je dois faire, ce que je dois faire, dis-le-moi. There's a gazebo in Lindau. Real pretty spot. Maybe you've been there. Anyway, I'd like a painting of that view. Mais je l'ai déjà peint. The gazebo is easy to find. It's just behind the inn. And I want the painting from the gazebo, not of the gazebo. Damn fish and fighting today. Allez, on va vite lui torcher sa peinture à l'arrache. Là, on va lui faire sa carte postale avec des kikinous. Et ce sera réglé, on aura de la caillasse pour pouvoir se balader un petit peu où on veut. Parce que vous avez remarqué qu'ici, c'est l'argent qui prévaut, pas le talent. Je m'en doutais, quoi. Je m'en doutais, monsieur K. Artiste maudit. Artiste abandonné. Un belvédère, c'est quoi? C'est pas le gros truc, ça? Parce que je l'ai déjà fait, du coup, son paysage à la con, pépère. Non? Attendez. On va réfléchir calmement. Je peux prendre ça aussi? Là, pour les décoctions, ça marche bien. Hop, hop, hop. C'est pas un belvédère, ça. Si, c'est un belvédère. Madame, madame, madame. Ah, attends, il y a un belvédère ici, regarde. Comment ça je vous épuise? Bah je m'épuise déjà moi-même à raconter autant de conneries. Ça ressemble à Belvédère.
Hé, hey, madame. Great viewpoint, isn't it? Est-ce que c'est un belvédère? Look, the eclipse is starting. No. Oh, attends, faut que je peigne, je peigne. Oh, Sugoi. On va faire tout noir. Oh, ta gueule. J'ai raté l'éclipse, merde. Là, ça a tout passé en accéléré, regardez. Ou alors les oiseaux sont très fumés dans ce cas. Ouais, mais je voulais faire une peinture, moi. I try to come up here every day. If you haven't got lodging for the night, feel free to stay at the inn. I'll leave the upstairs room unlocked for you. Drop in at your leisure. Ok, je vais faire une peinture. Don't worry about payment. Shipwrecks. Oh, toi, t'es cool, t'es sympa. On se fait la bise. Non, serre la. Ah, d'accord. Take care now. Tape mon 5. Je vais faire ma peinture, moi. Ça a l'air trop cool. Regardez. Comment on va se goupiller ça là pour que ça ait un minimum de gueule. Alors, on va se mettre un premier plan, c'est important. Puis un deuxième, puis peut-être même un troisième, on verra. Ça dépend de l'appétit. Là, la bouge pas. Hop. Allez, peinture, lire-moi ça, Gus. Bah ouais. Alors, on va se faire un ultra wide, hein, ça va être sympa. Est-ce qu'on prend le personnage? Ouais, c'est plutôt pas mal. Viens là, personnage. C'est dommage que tu penses et que tu as envie de parler en même temps parce que ça serait parfait si t'avais pas ta bulle de dialogue. Non, reviens, putain! Ces modèles qui restent jamais en place, c'est insupportable. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté le nu. Comment ça, j'ai dit le nu? Non, bon, les portraits. Oui, les portraits, j'ai arrêté les portraits, quoi. Ça m'a saoulé. Vous vous rappelez la règle des tirs, comme je vous ai dit? Bon, c'est bien. Est-ce qu'elle est respectée, là? Non! Justement, ça lui donne un côté dodécaphonique. Très intéressant. Il faudrait qu'un oiseau passe, comme il est passé là tout à l'heure. C'était parfait. Je vais attendre. Là. Snip. Merde, il fallait appuyer sur E. Wunderbar. Regardez-moi cette toile. Je vais la vendre plein de patates. Quoi. Sans patates. Hop, on y go. Et on va faire la blague à... Bah, c'est son frangin. T'aimes bien les gâteaux au raisin, toi? Non, pas au raisin. Ceux aux framboises. Truc. Il est où ton... C'est un enfant? Encore des enfants. Les enfants, il est où ton parent? Ah. Je peux même pas ramasser ça, c'est nul. Est-ce que je peux tomber de là? Parce que j'ai une petite envie de suicide. Ça peut arriver. Hein. Non. Allez, pour me faire plaisir. Non, le mur invisible est toujours là. Le mur invisible vous sauvera. Quel que soit l'endroit. Wouh! Ici aussi, c'est joli quand même, non? Non? Ok, j'y vais. Je vais revoir le vieux, je vais lui filer sa peinture. Hein? Les andites. Putain, il va me filer de la caillasse. Ce soir, je reviens à l'auberge. Je regarde s'il y a des filles un peu faciles. Je leur paye des coups. Et hop. La nuit va être courte. Oui, courte, le prénom allemand. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Was ist das? Et je peux pas prendre? Oh, je suis triste, regardez! Mais que tu fais quoi là? Bah, moi je serais toi, je me baladerais un peu, j'irais au champi, je sais pas, faire un truc un petit peu. Et bah ouais. We creatives, me a writer, you a painter, we've got to stay inspired. Speaking of writing, if you find any feathers around here, I'd happily buy them. Alors, si je trouve des bouquins, je peux lui fourguer. Peut-être qu'il me fourguera de la monnaie. Non, ça va aller. Ciao. J'ai trouvé un livre. Tiens. Ah, ça aurait pu marcher. Ben. Mais qu'est-ce donc? Une tyrolienne? Non, me dites pas ça. Si, une tyrolienne. Oh là 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 là. Faut que je retrouve le pêcheur là pour lui fourguer son truc tout pourri. Pêcheur, t'es où?
occuper. Alors je récupère ces trucs pour l'instant, je sais absolument pas pourquoi, mais c'est super de le faire. Il est là-bas, regardez. Pêcheur ! Comment ça, faut pas faire de bruit. Je vais marcher dans l'eau, attends, j'arriverai plus discrètement comme ça. Plic, ploc, plic, ploc, ploc. Ah, oh, mais même l'eau, il y a un mur invisible. Alors, il était où ce couillon de pêcheur ? Oh, le vieux avec un bout de bois, une ficelle là. Ah merde, il est passé où ? Les gars, vous n'aurez pas vu un vieux qui avait un bout de bois avec une ficelle, qui essayait d'attraper des poissons ? Faites pas comme si j'étais pas là, ça marche pas. Oh. Attention, je viens de me faire raider par Doline. Doline et son raid. Salut la team Betraf, bienvenue dans ce stream sur Eastshade, un simulateur de peintre. Ouais, non, mais je déconne même pas, je suis un peintre. Alors, regardez, je peux vous le montrer. Dans mes affaires, j'ai de quoi faire de la peinture. Et je pourrais peindre ces abrutis là. Mais puis, vous avez vu la gueule qu'ils ont ? Moi je dis non, non, non à la drogue, non au moche. Et je cherche un espiègle pêcheur qui était dans le coin et qui m'a promis de l'argent si je lui peignais un tableau. Parce que je vous le fais voir, j'ai peint un tableau. Et alors pas n'importe lequel. L'artiste. Vous allez voir ce tableau, vous allez tomber sur vos fesses. Regardez-moi ce tableau. Pour le vieux, alors celui-là il est trop bien, je le garde. Pour le vieux, j'ai peint ça. Ouais, c'est moche, hein, mais ça lui ira bien. Et on va voir s'il l'accepte et s'il veut bien me donner de l'argent sonnant trébuchant du jeu pour que je puisse passer ce pont qu'on voit là-bas. Car sans cet argent... In my butt the pont, quoi. Ah, le voilà, vieux. Well, looky here, you've gone and painted the gazebo view. Ouais. Are you willing to sell it? Ouais. Offrir, non, vendre, et eh oh, moi je vis pas d'amour et d'eau fraîche, hein. Quand je vais à la grande surface, après faut que je paye ma bouffe, hein. Je file pas des tableaux, non mais oh, en fait je l'aime bien, je vais, non mais je te la file, ah, on peut peut-être marchander, hein, allez savoir, parce que je joue au con, allez, non, je vais t'affiler, c'est bon, je déconne, on est pas passé loin, chouing, la moulaga. Ah ouais, non mais je sais, c'est du grand art. J'en ai profité pour faire un cours. Ouais, ouais, tu t'es acheté un merveilleux objet. Bon, maintenant, tu te mets à quatre pattes et on va discuter d'autre chose. Et ma thune, elle est où ? Ouais, je vais essayer de ce pont, du coup. Maintenant, je devrais avoir le droit de l'emprunter pour aller de l'autre côté et découvrir le village de Naja. C'est un pont à péage. Oui, je sais. Mais j'ai de la thune. Boîte de dépôt du... Ah, mais il n'y a même pas un... Normalement, il y a un mec dans une boîte en verre, là, comme la papo mobile, et il vous réclame de l'argent. C'est automatique. C'est ouf, ça. Puis le droit de passage, 60 lumigènes, je paye. Que va ? Nous sommes à un moment dramatique du jeu. J'arrive. Motivé. Et j'ai 25 lumigènes. Vous y croyez ? Non, mais ce jeu est fait pour me dégoûter. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? On va passer en scrot comme ça. Alors, regardez. Plic, ploc, plic, ploc. Et ta mère, elle est trop profonde ! Ah ! Ouh, qui me scrognonne ce jeu ? On va aller voir s'ils veulent discuter, les vieux, là-bas, et s'ils veulent que je leur fasse une peinture. Toi, t'es vraiment un crevard. 25 lumigènes pour l'œuvre que je t'ai faite. Mais t'as vu ça où ? Je vais aller me saouler à l'auberge. Je reviens quand je serai pété, je te casse ta gueule, quoi. On y va. Ils sont où les crétins là ? Les crétins ! Wow ! Les gars, j'ai un truc à vous proposer. Eh ? Non, je partirai pas tant que vous m'aurez pas donné de la thune ou que vous m'aurez pas commandé un table. Faites pas semblant de pas me voir, merde ! Oh ! C'est moi le joueur ! Vous êtes des PNJ, vous êtes supposé me voir. Eh hey, mec, dis-leur qu'ils m'ont vu, fais quelque chose. Eh, va te faire cuire. On va pas y arriver. Ça avait commencé super bien et là ça part en couille. Alors on va ramasser des trucs, on va retourner au village et on va trouver quelqu'un d'aimable, de sympa, qui voudra bien me commander un tableau, même une croûte, même un truc tout pourri, même un truc avec des kikinous. Moi je suis prêt à tout peindre, je suis un artiste, je suis dans la fleur de l'âge, regardez. On va regarder quand même dans mon petit bloc-notes, des fois qu'il y a une bonne nouvelle, mais...
J'ai trouvé 3 plumes. Si je les apporte à Yunus, il me les achètera. Chouing. C'est qui, Yunus? On va aller voir. Oui, alors c'est vraiment le principe du jeu d'aventure, le point and click, mélangé au simulateur de peinture. Et je peux plus ramasser ça? Ouais. Au simulateur de peintre. Et c'est très drôle, mais il manque un truc, vous êtes d'accord avec moi? Oui, il manque un truc. Un peintre. À jeun. C'est un peu comme un parkman vide, quoi. Ça sert à rien. Va falloir corriger ça, très rapidement. Et c'est pour ça qu'il nous faut trouver l'auberge. Yunus. Qui se rappelle dans le chat de Yunus que je puisse y arriver? Parce que si vous me faites pas ma mémoire vive, je vais tourner dans ce jeu pendant 110 ans. Alors tout est fait pour que je passe pas en face, hein. C'est étudié, et je n'irai donc pas. Oh, le oiseau. Snip, snip. Oui, je saccage la nature tel un vrai touriste. Avec mes grosses bottes dégueulasses. D'ailleurs, je vais jeter tous mes détritus et mon PQ ici, tiens. Hop là, discretos, ni vu ni connu. Et on rentre à la baraque. Yunus, qui est Yunus? Nom de Zeus, j'ai complètement zappé les noms, en fait. J'ai même pas fait gaffe qu'ils avaient des noms. Enfant? Non, toi t'es enfant, toi t'appelles pas Yunus. Enfant? Viens là. Oh! Lenny, non, c'est bon, je veux pas te parler, t'es trop con. Allez, on y va. Hop, madame. Yunus, 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 Yunus. Oh, Yunus pas. Ok, bon, bah tant pis. Yunus? Hello again. Non, 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 non. Pas toi, dégage. Oh! Oh! Comment vais-je faire? Que n'ai-je point vécu pour cette trahison? Alors Deline qui nous dit, moi tout ce que je sais c'est que Yunus rime avec... Ah oui, Yunus, effectivement. Yunus? Qu'est-ce que tu fais là-dedans, toi? Who's there? Nika? Non. Is that you? Oui, 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 oui. Well, I can tell by your voice that you're not Nika. Bah, t'as vu ce que tu fais de ta tête? You must be one of the tourists. Terrible about the sinking and all that. Glad you're okay. Yada, yada, etc. Tu me donnes de la thune? But will you go get Nika? Tu me donnes de la thune si je t'aide? Oui ou non? Brilliant. I'll wait here. Qu'il est con. Ok. Bon, je suis quelqu'un de serviable, hein, malgré que je sois très désagréable avec tous ces gens. Mais c'est pas grave. L'auberge, elle est juste là, donc on va y aller. Fissa. Choui. Oh, je me suis coincé dans le décor. Hé, aubergiste. J'ai pas bu de ton thé, mais je veux bien... Ah, bah, il y a quelqu'un de nouveau, regardez. Aubergiste, je crois que ton mari fait le con avec des seaux, des tonneaux. Il faudrait que t'ailles voir. You look well. Mieux que toi, oui. Ça, Essan. Oh, of course he does. Ah bah je te laisse ta surprise, tu vas rigoler. Again? That's like the eighth time. Non, tu vas lui donner un coup de main. Moi je suis pas payé pour ça. Tu me donnes de l'argent. Argent, argent, donne argent, argent s'il vous plaît, monsieur. T'as vu, elle veut pas me donner de l'argent. Tu sais pas qui c'est Yunus, toi? Non, parce que je m'en fous ce que tu me rappelles. Ciao. La vieille! Elle m'a pas attendu, la vieille! Oh putain! Eh mamie, mamie, mamie! Oh, j'ai mes clés qui. Oh, je peux pas courir! Ça me coince les. Oh, pff, ça fait mal. Alors, il s'est mis un truc sur la tronche, c'est coincé. Je sais pas comment elle a fait. Je te jure, c'est pas moi par contre. Hein? Tu me crois? Tu me crois? Tu me crois? Ouais. Yeah, it's pretty stuck. I think what we need here is some soap. Would you be a dear and fetch some soap from Amin's house? It's just down the stairs and across the courtyard. Mais bien sûr, mais faut que... C'est qui, Yunus? Non? Allez, on y va. Pff, pendant que je m'en rappelle, parce qu'après ça va être foutu. C'est cette baraque? Hop, hop, hop. Bouge. Avec du savon, tu vois, c'est moins violent que ce que tu imaginais, Doline. Truc? Emin? C'est toi, Emin? Hello there. Can I help you, Travis? Ah, ça y est, tu me parles. Toi, tout à l'heure, tu me faisais la gueule, tu me frimais et tout, machin et tout. Maintenant, c'est bon, tu vas me raconter ta life. Est-ce que je peux te prendre du spoon? Du savon? Du soap? Well, certainly. May I ask why? Non, pas vraiment. Bah, pour se nettoyer, tu sais très bien. You shouldn't use soap for that. It's not safe. Anyway, I'll ask no more. Here. And... Thank you. A friend of yours?
C'est tentant, ça. Oh, que c'est tentant. Doline, tu m'autorises? Ah. He's just such a peculiar man. And you know what? I think Lenny is going to have some real issues when he grows up. Je crois qu'il grandira jamais. Well, you've seen him. The boy is unhinged. Ça se trouve, c'est mon frère. And not just that. I've been hearing a lot of yelling la nuit, coming surtout. From that house. I think it's quite a broken home. Nah. You know, I imagine you'll be traveling all around this island, being a tourist and all. Eh vas-y, va parler à Essen et va parler à... Mais moi je veux Yunus, les gars. I think it's only right. You know, for Lenny, I think it'd be best for the child. Oh, je vais faire assistant social. Right. Well, here's some soap. 15 du millième. Ah, petit à petit, hein, le piou-piou fait son nid, quoi. Je sais pas combien j'en suis, 45 lumigènes. Oh, ça va falloir que ça monte encore. Yunus. Non. Ça se tentait quand même. Non, casse-toi, sale homme fort. Bon, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. Ça va faire 400 lumigènes. Et je vous donne du savon. Non, allez, ça se tente. Gardez-moi ces deux cons. Bon, on y va. What do you expect me to do with that? Vous êtes relous les gens là. You have the soap. Well, let's try this thing then. Here, let me have that soap. Donne de la thune. Donne-moi de la thune. Well, I guess it was convenient that you dropped in when you did. Thanks for getting Nika. Vous connaissez un mec qui s'appelle Yunus ou une meuf ou un animal quelconque? I mean, that nosy, stuck-up, goody, two-talon. Je vais essayer de faire au plus rapide, hein, parce que c'est, j'ai pas envie de parcourir tous les textes. She just doesn't like me because I'm not posh like her. This whole town is stuck up. Them and all their judging eyes. You know what? Get out of my house. You're just like everyone else in this town. Oh. Coming in here and tell. I know that's what you meant. No. Just get out. Et ma thune? Ma thune. Oh la meuf. Elle est partie la meuf. C'est bon. Dès qu'on parle de thune, il n'y a plus personne de toute manière. T'es, tu rends service, t'es aimable. Comme quoi, j'ai bien raison de... Hé, hey, sale mioche, viens là que je te botte les fesses. Que t'es con, t'es bien comme ton père, toi. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Yunus. Yunus. Piti, 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 piti. Bouillou, 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 bouillou. Oh, il y avait plein de monde, là. Il y avait des vendeurs, il y avait... Ah, t'es Yunus, toi. Yunus. Pas Yunus. Ok, non mais c'est pas grave. Ah, ça se ramasse. Un jour une vieille dame a eu l'idée de grimper au sommet d'une grande tour située le long de la côte. Elle est restée là à contempler l'océan en vagnotant des gâteaux, sans s'apercevoir qu'il était déjà l'heure d'aller au lit. Et alors, eut l'envie de retourner chez elle pour voir son chat. Elle a donc commencé à descendre l'escalier, mais comme elle était très vieille et très fatiguée, elle a raté une marche, et elle est tombée, et elle est morte. Elle est alors devenue un fantôme mêlante. Depuis cette tour à Grogrom, elle allume les lumières la nuit tombée, afin que son chat puisse la retrouver. Mais le chat n'ose pas s'en approcher, car la tour est bien trop effrayante. Il y a un chat, moi je vais y aller. Si, un chat. Ouais, c'est ça, on va y aller tout à l'heure. Hop, 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 il commence à faire nuit, hein. Il y a une gestion de la du cycle. Jour, nuit, jour, nuit. Yunus ? Il est où ce con ? Je sais même pas sauter, moi, c'est scandaleux. Il est parti, lui. J'ai pas encore fait la blague, j'ai pas trouvé ton frangin. Il fait vraiment nuit, t'as pas de quoi, t'as pas une loupiote, une lampe de poche. Oui, mais j'ai toujours pas Yunus, tu sais qui c'est. Oh, me donne pas d'infos, espèce de raclure, là. Ma vengeance, mon courroux, tout le reste avec, ça va être terrible. J'y suis allé, là. Non, je crois pas. Yunus ? Si je te parle pas, tu vas me saouler. Non, mais t'en fais beaucoup trop. Ah, casse-toi, je me barre, tu m'énerves, toi. Les gens qui chougnent pour une merde, tu sais ce qui m'est arrivé, moi? Tu sais ce qui m'est arrivé? Eh bah, aujourd'hui, j'ai mangé un gâteau, il était pas bon. Est-ce que j'en fais un drame? Non. Il fait vraiment nuit, là, les gars. On va aller dans l'auberge, se pioter, puis attendre qu'il fasse jour à nouveau. Parce que je vais me faire piéger par l'obscurité. Et n'étant pas un de ces autochtones, ne connaissant rien à la topographie de l'endroit, et ces fucking lampes s'allument même pas, parce que c'est des lampes, ça me fait pas croire le contraire.
Mon aventure va devenir très risquée, pénible et douloureuse à la fois. Donc on va aller dans l'auberge. Je commence à reconnaître un peu les lieux. L'auberge, c'est la première à gauche. Ou la deuxième, peut-être. Non, la première. Squeak. Regardez-moi ça, si c'est animé. Tout le monde est là. Yunus ? Yunus ? Yunus ? Yunus ? Oh, ferme ta bouche ! Non, 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 non. J'ai pas lu, mais je retourne, je me casse. Hop. Ouais, j'ai décidé d'être désagréable avec tous ces gens, ils sont pénibles aussi. Des bisous, dodo, à plouche. T'as pas vu Yunus, toi ? Non, hop. Non. Ah, mais scène pompeux. Yunus. Yunus ? Yunus. Oh, shut the frog up. Bon. My father was a fisher of these oceans, so I've been out on the sea plenty of times. Sea monsters. À bientôt. Je vais dormir, on va faire un dodo, puis on va... Je vais dormir, je peux prendre le lit qui est au-dessus. My garden is filled with all sorts of wriggly... Take care now. See ya. Dodo. Allez, on grimpe là-haut. Combien de temps j'ai fait le stream, là? Ça fait une heure? Ouais. Une heure et des soupières. Est-ce que j'ai le droit d'aller là? Yes! Qu'est-ce? Petite bougie, hop, je prends. Tissu, je prends pour mes toiles. Fermer la porte, non. Bouquin, ça je le vendrai au mec. Tatatatatatata. Conte folklorique, machin. On pourrait lire tout ça, mais je vais pas le faire. Parce que pas le temps. Le temps c'est de l'argent, le temps c'est de la monnaie. Et vous avez bien vu que je suis un artiste. Et qu'est-ce qui me motive dans la vie? L'argent. Bon, bah, j'ai pas le choix, faut que je me couche. Non! On va faire un gros dodo, un gros rompiche. À quelle heure qu'on se lève? Tôt le matin. J'ai beau être un artiste, il va falloir que je me réveille très tôt. Genre... Ah ouais, c'est la bonne heure, ça. Allez, à toutes. Pub. Some of you believe your system is the most advanced in the universe. Let's review the numbers. Sega Genesis is 16 bits. 3DO is 32 bits. The Atari Jaguar is 64 bits. Which is more advanced? Clifford! Hmm? 16 and 32 are less than 64. So with 64 bits, 3D graphics, real world animation, and lightning speed that you can only get with Jaguar, which is more advanced? Clifford! Can you repeat the question? Jaguar! 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 Oui, je suis pas resté dehors parce que, un, il faisait nuit, je n'ai pas grand chose pour m'éclairer à part cette bougie que je viens de trouver, et je n'ai pas de quoi m'équiper non plus. Continuons. À l'aube, on va se faire une peinture, les gars. On va aller vers cette espèce de phare là, qui est soi-disant hanté. C'est l'aube, il n'y aura pas de fantôme. Alors, le fantôme, il va être tellement crevé, il pourra rien faire, quoi. Et je vais trouver ce chat. Regardez comme c'est bas-haut. C'est plus de 6 heures du mat, là, les gars. Ça va? The salty sea air never gets old. Yunus, tu sais qui c'est? Ah, take care now. Ouais. J'ai pas trouvé ce Yunus, c'est quand même ouf. On va voir si je peux passer là. Spring. Allez, avance. Hop. Yeah. Où est cette tour? Elle est de ce côté. Elle était plutôt vert, plutôt par. Yunus, ça se trouve, c'est le vieux qui est dans la grotte que j'ai vu au début du jeu. Probably, maybe. On y va. Alors, le jeu mériterait un petit lifting avec un joli anti-aliasing, ce serait chouette. Parce que là, il est un petit peu brut de décoffrage. Alors, peut-être que l'année de sa sortie, c'était technologiquement aware. Mais là, les années lui ont pas fait de cadeau, je crois. La tour abandonnée hier. C'est verrouillé hier. Squeak, squeak. Heureusement, j'ai un pied de biche sur moi. Non, j'ai un lance-grenade. Me balade pour une fois qu'on me contraint pas trop. Et il y a un passage là-bas, on pourrait aller voir. On va aller voir. Ouais, si on passe dessus, ça fera un mec civilisé qui suit le chemin. Le programmeur m'en voudra moins. Oh, ça va me couper la rime, ça. Yunus. Je continue d'insister. Moi, j'ai envie de trouver ce mec là parce que c'est une cata. Je crois pas que ce soit trop habité dans le coin.
Ou alors par des mecs qui forniquent entre eux et qui mangent les enfants. Peut-être. Oh, vous avez entendu cette mélodie, dites non. Le vieux Lindo. On a toujours besoin d'un bout de Lindo pour mettre sur la table, pour cacher la misère. Est-ce que ça s'aborde? Oui, ça s'aborde. Mille fois mille. Oui, je récupère le bois, c'est pour faire les... Tendre mes cadres, tendre mes toiles. J'en ai besoin. J'aurais peut-être des choses à looter là-dedans du coup. Oh mon dieu, mais c'est une caverne d'Ali Baba. Regardez-moi ça, regardez-moi tout ce qu'il y a. Du tissu, des bouquins, du tissu, des bougies. Alors les bougies, ça doit être pour sortir la nuit, j'imagine. Et la fameuse légende de Naïda, le Renardo. Non, pas le Renardo, le Renardo. Il faut pas confondre. Soit. On a tout pillé, tel le joueur quelconque lambda YXW. Alors, je joue comme un sagouin, on va très vite, parce que moi, le but, c'est de vous faire voir le jeu, c'est pas de le faire en entier devant vous. S'il y a des choses merveilleuses, on les verra à temps, je pense, j'imagine, peut-être, sous hasard que, et encore. Vous êtes prêts à affronter le mur invisible? Allez, on y va. Bonk. Bonk. Et oui, c'était le fameux mur invisible. Il existera toujours. Il sera toujours là pour vous rappeler que même l'infini a une limite. Et là, je vais retourner sur mes pas et je vais revenir vers le pont, j'imagine. Alors, on va peut-être retourner au bled, voir s'il y a du monde. Je sais pas. Pour l'instant, c'est ambiance tournicotie. Oh, un autre pont. Mais j'imagine qu'il faut payer aussi. Ah, ils aiment la thune, hein, ici. Un autre pont. Non, c'est le même, en fait. Hein. Ça va pouvoir m'indiquer. Je vais regarder combien j'en suis d'ailleurs en thunes, parce que j'ai pas fait gaffe. Payez. Alors combien qu'on a? 40. Oh, on est à 20 de du but, de l'ultime. Ça mérite une visite au village, tout ça. Ouais. Que pourrais-je faire? Il faudrait quelqu'un qui me commande une toile, ce serait idéal. Et je suis pas allé jusque dans la grotte du début. Merde, il y avait peut-être le gars qui s'appelle Yunus. Hein. J'y retourne. Oh, oh, mais tu es à pied. Oui, mais je fais les bruitages avec des noix de coco, donc ça marche. Oui, des noix de coco ici. Tu les sors d'où? Bah, les hirondelles, comme d'habitude. Oh, on pourrait faire une jolie toile, là. Ça vous branche? Allez, clic-clac, c'est dans la boîte. Oh putain, c'est une gueule. Oh, vie de... Oh, grenier. Merci de ton aide. Je m'en vais, je reviendrai plus jamais, quoi. Tu pues des pieds, toi. Allez, hop, on se casse. Laissez l'artiste s'exprimer. Regardez ça, comme c'est beau. Attendre que les pierres soient dans le champ. Je vais me faire de la thune, mais vous avez pas idée quoi. Si je trouve le chat dans ce jeu, toutes les photos de Kikinou que je vais faire, mais je vais être milliardaire. Have you decided you'd like to paint a what stunning taste you have? Be sure to capture every bit of my elegance. On va faire ça tout de suite, vite fait, bouge pas. Je veux juste qu'il y ait cette partie là, tu vois. Allez, action. Oula, j'ai planté le jeu. Il en peut plus, il en peut plus. Aïe, c'est tout sec. Oh my. Ouais, je sais. Allez, on trinque à ta santé vu que j'ai plein de thunes maintenant. Je vais pouvoir mettre une caisse à pas cher. Parce que ça, c'est... Et vous le retiendrez. C'est l'astuce numéro 2 pour être un véritable artiste. Il faut des subterfuges. Why buy just a video game from Atari or Intellivision? Invest in the Wonder Computer of the 1980s for under $300. The Commodore VIC-20. Unlike games, it has a real computer keyboard.
With the Commodore VIC-20, the whole family can learn computing at home. Plays great games, too. Under $300, the wonder computer of the 1980s, the Commodore VIC-20. Coming soon, Commodore brings you Gorf, the wonder arcade game, and Omega Race in home versions. Commodore. Ça y est, la pause pub est terminée. Bon, on y retourne. Alors, je suis toujours cet artiste maudit dans ce jeu d'aventure maudite. Et je vais enfin pouvoir passer le pont sur lequel il y a un péage. Et qu'on m'interdisait de franchir jusque maintenant. Et on va enfin pouvoir découvrir cette nouvelle zone, vu que j'ai la monnaie qu'il faut pour payer mon dû. Oui. Oh, joie. Et nous découvrons le front au vent, cette nouvelle zone, enfin, qui refusait obstinément de se dévoiler. Ça sent le bégonia. Hop, du bois pour mes toiles. Ah bah, je vais savoir à quoi ça sert, tiens, ce que je cueille depuis le début du jeu. Ça doit sûrement être pour faire des pigments, je sais pas. Ah, on peut se mettre la race avec. Super. Voilà une bonne information qui serait utilisée judicieusement. Est-ce que je peux rentrer visiter? Yes, joie. Hello. It's me. C'est passé un truc bizarre. Oui, non, peut-être. Est-ce que je peux piller l'endroit pendant qu'il n'y a pas le proprio, hein, comme tout bon invité? Mais il n'y a vraiment personne. Hop, on va lui piquer ses bougies. Son tissu, c'est pour l'étoile toujours, et son bois. Ok, je suis une bonne crapule, quoi, de base. On va y aller. Alors, le jour est déjà en train de décliner? Non, faut vite que je trouve l'autre endroit. Monsieur? Monsieur? What a lovely sandy beach you've painted. Would you be willing to give it away for the opportunity to learn? Ouais, tu veux lequel? This is splendid. It will be the prized piece of my sitting room. Ah ouais, et je savais que je la vendrais celle-là, tiens. Bah vas-y. C'est dommage qu'on puisse pas marchander par contre. Et comme quoi j'ai bien fait de faire des tableaux d'avance. Alors je sais pas à quoi sert la ficelle, mais apparemment j'ai déverrouillé d'avance un truc, c'est bien cool. Voilà, un autre poche à fleurs terminée. Ok. On va essayer de trouver la cité avant qu'il fasse nuit, là, parce que s'il fait nuit, là je vais vraiment être dedans. Qu'est-ce que quoi? Eh mec, t'en as trop pris. Ah, il est défoncé, Bojan, regardez-moi ça. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu m'expliques? It is a broom, Sarkloth. It does not. It looks quite nice, if you ask me. Mm-hmm. I made it, after all. I might, but only if you meet the right requirements. Alors, c'est quoi tes conditions? Explique-moi. J'ai de la bière, déjà. My only requirement is that you be my friend. One of my best friends, to be honest. Je vais être ta meilleure amie. Don't be hasty. We've only just met. There are some things I need to know about you first. Vas-y, demande-moi. Is your favorite color orange or yellow? Ah, ma couleur préférée, c'est jaune or... Oh, ça va faire comme dans Sacré Graal, je le connais celle-là. Je veux pas être éjecté du pont, là. Orange. I see. Now, if you had to choose between eating slugs or cakes, which would you eat? Habituellement, j'aime bien les limaces, mais le problème, c'est qu'en société, je dois me faire à peu près bien voir, donc je me contente des gâteaux, même si c'est un peu dégueu. Maybe I can make you some slug cakes. Je suis d'accord. Je vote pour. This next one will be tricky. If you saw a frog,
stranded all alone on a lily pad. What would you do? Alors déjà, elle est sur son nénuphar, donc je la dérangerai pas. Tu vois, c'est ça. Ce n'est pas normal pour une grenouille. Ça, ça veut dire que je n'aurais pas cuvé de la veille. That is rather heartless. Don't let the frogs hate. Oh là là, mais toi, t'es totalement déchiré, mon pote. I have come to know you very well. Would you agree that we could be friends now? Alors dans ma tête, j'ai une voix qui me dit absolument pas, mais vu que je suis un sale menteur et un couard et un profiteur. Oh, wondrous. Here. Oulala. We can sit on rafts together. You'll need some twine to keep it all together. I don't know how to make that, but owner has a lot of it. C'est celui qu'on a vu avant. You also need wax. Ah, la cire. That's very hard to find. Oh, les bougies, c'est parfait. Stale candles. But don't tell owner. Je peux faire un tableau de toi parce que tu m'as l'air vraiment parti, le gars là, non? Non? Ok. Je vais voir ce que je peux crafter parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Alors, ficelle. Radeau, d'accord, il me faut de l'enduit. Non, ça c'est ce que. Alors, on va faire la ficelle déjà. Bidip. Bidip. Il me manque que l'enduit, les gars. Je sais pas où je vais le trouver, l'enduit, ça c'est clair. Je vais me faire des toiles, j'en aurai besoin. Ouais, je vais encore faire des ficelles. Hein. Mieux voir trop que passer. Alors, ça, il faut que je trouve de l'enduit. Et la nuit est en train de tomber. Ça pourrait me porter préjudice, les amis. Est-ce que je fais une toile de nuit ou pas? C'est pas un super éclairage. Hein. On va continuer à tracer, je verrai bien ce qu'il y a plus loin. Je trouverai peut-être mon histoire d'enduit. Enduit, ça se fait avec quoi? Avec du miel, de la cire, c'est ça? Non, pas la cire. Avec... Avec quoi je pourrais faire de l'enduit? Je cherche. Alors, le jeu est pas mauvais. Hein. Il est particulier. Et du coup, c'est un truc qui s'adresse à un public de niche. Depuis le début, je déconne dedans. J'en fais beaucoup trop. Mais... C'est quand même marrant, fallait oser faire ce genre de titre. Un jeu d'aventure qui fait simulateur de peintre. Étrange. Salut. I saw some birds flying around a few nights ago. They were... I especially like the ones that do this. Ooh, ooh. Tu le fais super bien. What a fun way to talk. Me dit le singe. Ok, j'y vais, hein, parce que... City folk, but they do buy my pots. Je peux te prendre un peu de baguette? Non. Ok. On y va. Bye now. Ciao. L'enduit. Non, hop, j'y vais. Allez, ciao. La météo est bizarre aujourd'hui, hein, parce qu'il fait un coup très sombre, un coup très... Ah, oh, c'est où Nava, du coup, là-bas? Allez. Ishayan, Blackface, do not pick... Ça doit être ça pour l'enduit. S'il faut pas en prendre... Le chardon noir. Je vais me faire engueuler, mais... Qu'est-ce que vous voulez? La vie sans risque, c'est pas drôle. C'est pas la vie. Déjà, ils se planquent, hein, les chardons, mais je veux pas dire, mais voilà. Lyndon, Nava, c'est écrit dessus, c'est comme le port-salut. Hop, hop, hop. Est-ce que je vais jeter un œil là-bas, dans ce tour? Ouais, curieux je suis très curieux. Oui, je n'en... Promis, je n'en prendrai pas si j'en trouve. Juré sur la tête de mes viewers. C'est joli, là. Là, il y aura un tableau à faire, mais c'est trop quiche avec tout ce vide. On va attendre que ça se remplisse. Hop, 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 hop. Ah, mais c'est la tour où on peut faire du... Ah ben, je suis directement monté, prof, c'est facile ça, c'est pratique. C'est pratique, Patrick. Il me donne pas moyen de rentrer direct au sein. Pas encore, ça doit être à déverrouiller bien plus tard. Mais au moins, on saura que on va pouvoir faire de la zipline dans pas très longtemps. Ouais, là c'est sympa, il y a un truc à faire, mais c'est tellement vide.
c'est tellement aliasé. Il n'y a pas de RTX ou de ray tracing. Allez dire ça aux développeurs, vous vous faites tuer. Hop hop hop. Ouais, pas de mur visible, je vois. Truc, truc, tu sais où je peux prendre du vernis, un truc qui colle, machin. Allez, oh. Putain, mais fais pas comme si j'étais pas là, quoi. T'es un PNJ, mais tu me vois, je suis en face de toi, nom de Dieu. Bon, ok, tu vois tes poissons. Nya, 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 nya. Oui, je voulais marcher dans la flotte pour faire fuir tous les poiscailles. Bordel. Il y a des baraques là-bas encore. Ouais. Bon, on va aller à Nava. Apparemment, tant que j'y serais pas allé, j'aurais pas déverrouillé de nouvelles missions et nous n'avancerons plus, les amis. Chouing. Des chardons bleus, des chardons noirs, je n'en ai point vu. Mais, regardez-moi cette jolie bicoque. Oui, monsieur K se laisse distraire pour le moindre truc. Hein. C'est. Comment qu'on y monte? On n'y monte pas. Le grand ombrage. C'est beau ça. La saute. Jump. Alors pour monter là-dedans, c'est pas gagné, comme disait le. L'artiste, le peintre, le philosophe, le BHL, quoi. Et ces nénuphars, on devrait pouvoir les cueillir, moi je dis. Mais bon, c'est pas grave. C'est quand même pas mal, ça. Ça, c'est une bonne tronche. Avec le bon éclairage, là, le matin, ça doit être merveilleux. Regardez-moi ça. Faudrait le contre-jour, mais avec le soleil décalé, soit carrément plus à droite. Et il faudrait un rendu où ça fait les rayons de lumière. Oh ouais. Oh ouais. Alors, un autre truc qu'utilisent les artistes, hein, parce que je vous donne des tuyaux d'artistes ce soir quand même dans ce stream, c'est important. Bah, ce sont d'autres systèmes pour avoir l'inspiration quand elle ne veut pas venir. Alors moi, personnellement, j'ai ça. Alors ça, faut le prendre avec un liquide, sinon ça passe pas. Hein. Oui, c'est quelle heure? 21h quand j'enregistre. Ouf. Je suis supposé y avoir pris avant. Ce sont des petits cachets qui marchent très très bien. Et vous allez voir si d'ici un quart d'heure j'ai pas l'inspiration, ça va être terrible. Ne faites pas ça, hein, je rigole. C'est un traitement médicinal, c'est pas des tasses. Arrêtons de déconner. Quoique si, bon, continuons, c'est trop bien. Sinon, ça fait de nous des machines. Nous sommes des humains. Oh, regardez, là, il y a une belle. Il y aurait presque un truc à faire s'il n'y avait pas le câble électrique au milieu. Ça, c'est le nombre de fois où j'ai ragé. Salut. Il paraît qu'elle aime bien les oiseaux comme toi. Tu sais ce que je vais faire? Je vais faire une peinture. Bouge pas. On va faire une peinture de toi, tranquillou. Et puis je vais peut-être réussir à la fourguer à la meuf là-bas. Parce qu'elle a l'air un peu coconne. Hein? Tu m'achètes? Allez, vas-y, fais ton profil, on aime bien. Là. Ça comme. Very nice. Je l'ai vu. Ouais, je l'ai eu. Oh, magnifique. C'est toute beauté. Apparemment, j'ai réussi ma mission, hein, parce que le truc s'est cassé juste après. Allez savoir, peut-être ce n'était que un script. Non, ce jeu n'est qu'une suite de scripts. On me gâche tout, là. Je vais là parce que c'est très rose, ça me fait rire. Fallait oser quand même sortir ce genre de jeu, c'est assez ouf. Alors c'est dommage qu'il ait pris le coup de vieux de la technologie, parce qu'il le ressortirait aujourd'hui avec l'Unreal 4 ou 5. Niveau rendu, il y aurait de quoi mettre des baffes dans les gens. Alors je sais pas de quand il date, je crois qu'il date de 2017, si je dis pas de grosses conneries. Et vous avez vu, en 4 ans, le coup de vieux que ça prend, c'est terrible. Oui, l'évolution technologique ne pardonne pas. Alors on dirait en 2017, il y avait Ethan Carter qui m'avait blasé sur le rendu de ses décors, qui était autrement plus classieux que ça et qui est sorti avant. Hein. Donc je sais pas. Je sais pas quel moteur a été utilisé, on ira voir tout à l'heure. Non, on va voir tout de suite. Tant qu'à faire. Signaler un bug. Non, export paintings, on s'en balèque. Y a pas about. D'habitude, l'équipe met tout le temps son truc avec un générique. Oh zut, dommage. Non. Mais ouais, le moteur a un sacré coup de vieux dans le nez là.
Et du coup, c'est dommage parce que pour un jeu qui base l'essentiel de sa force sur le rendu graphique, et qui fait pas mal d'efforts dans ce sens-là, hein. Il y a même les cycles de jour, c'est pas mal. C'est dommage. Il mériterait un remake, peut-être, un remaster. Fais pas celle qui me voit pas, je suis en face de toi, je supporte pas les PNJ comme toi. Ah, ça va mal se finir, je m'en vais, je boude. Encore un homme fin ? Non, me parle pas. Je vais essayer de pas marcher sur ces légumes, sinon je vais me faire engueuler. Salut ! Why, hello, friend ! Glorious day, wouldn't you say ? What an incredible day to be alive ! Salut, Miasinka ! Tout à fait, du coup, j'ai pas lu, moi, ce qu'il m'a dit. Ah, I see you're a traveler, swept in from some distant land. C'est moi, c'est tout moi. Donc je rappelle pour les gens qui rejoignent le stream. Les petites souris. On est dans un jeu d'aventure qui est un simulateur d'artiste. Oui, c'est pour ça que j'ai pris soin de m'équiper en Taz. Ah, faut pas le dire. Et en bière. Ah, faut pas le dire non plus. Et si nécessaire, je sortirai l'artillerie lourde plus loin. Voilà, mais pas pour l'instant. Il n'y en a pas encore besoin. Les quoi ? Les souris, j'ai très bien entendu, on les entend couiner même. Mice. You see, they've taken a liking to my garden. Not sure how they eat so much when I'm not looking. Must be bigger than I think. Pile au moment où il y a Mia qui débarque et les petites souris, c'est bizarre. Somehow they're getting past me. Must be while I'm sleeping. Not that I mind really. I'm glad they have a proper meal. But how I dream of cooking up a proper stew. Vegetable, of course. Can't have a good stew without an assortment of the finest crops, eh? Tell you what, bring me 7 sticks so I can finish my fence. That just may do the trick against these crafty carrot eaters. Of course, I never let a friend journey on without a few glowstones to pad their pocket. How's 10 sound? T'es pas un peu un crevard, toi? Excellent. Thank you, my friend, for taking on this task. See you soon. Ouais, je vais marcher sur tes légumes, tiens, pour la peine. Parce que pour 10 pièces, franchement, tu te fous de ma gueule. Ça, je le prends, c'est mon bois maintenant, désormais. Le mouton, casse-toi. T'as vu du bois quelque part? Du bois, t'en as vu? Il veut du bois, le gros. Ah, purée, pourquoi j'ai dit oui? Faut grimper là-dessus? Non, mais dès qu'il y a une connerie, moi, je la fais. Du bois. Il y a plein d'arbres et je trouve pas de bois. C'est quoi cette connerie? Je suis même pas rentré dans sa baraque, voir si je pouvais lui faucher des trucs. Hop. Ah, craché, c'était une toile d'araignée. Hop, du web. Alors du bois, j'en ai sur moi, hein, il me semble, pour mes cadres. Mais si je peux piquer chez les autres, vous savez très bien que je suis un artiste, je suis fauché, donc je me sers. Hop là. Non, t'as rien vu, toi, t'as rien vu. Eh, salut, petit main. Il a l'air défoncé, le chat. Il doit bouffer les champignons du coin et il est tombé sur un truc de psylo. Bon, je pourrais dormir ici, ça c'est la bonne nouvelle. D'ailleurs, je pense que si je demande à la mamie à l'entrée, elle va se faire un grand plaisir de me dire mais bien sûr, tu pourras dormir ici si besoin tu as. Hi there, stranger. Come on in. Ouais. Paye ton hydromel. That'll keep your bones warm. I don't think I've seen your face before. Are you from out west? Non, je suis pas d'Ischel. Ah, okay. I thought you might be from out west. I haven't met many westerners. I was born and raised in Narva. Mm-hmm. I really wish more westerners would come through this way. I really want to ask them about the drumming. Ouais, mais il y a la meuf qui fait les voyages, elle dit à tout le monde, la première fois, faut que tu le fasses à pied, que tu te démerdes à payer le pont pour qui est payant et tout, et ça fout la merde. Des tambours de quoi? Have you heard the drums at night? Non. I was just a child the first time I heard the drumming out in the Blush Woods. My best friend and I used to play out here a lot. We even found a drum once. Wish I could look at that thing, but it seems to have disappeared. Ever since I moved out here, I've only heard the drumming late in the night. Some nights I hear it, others I don't. Doesn't seem to be any pattern. I like the music. It's captivating. In fact, it's almost bewitching. But I've always been bewildered as to its source. I figure it must be some westernly folk thing. May
maybe the farmers from the Teethmore Bluffs throw parties in the Blushwood? Nobody in Narva seems to know anything about it. Et voilà, ça y est, on a chopé le plan pour la rêve partie du coin. Ça, c'est cool. Elle m'a pas proposé de pioter, hein, la vieille. On va regarder ce qu'il y a en mission en stock qui serait faisable. Un oiseau rare. Annika. Bon, il faudrait que je passe la voir, lui amener sa croûte. Ça me fera de la thune. Finn a besoin de 7 bâtons pour terminer sa clôture. On va s'en occuper. Et le cœur de la nuit. On va enquêter. Ça veut dire qu'on va se balader la nuit? Non, seriously. Allô, enfant, tu me gâches ma... Oh, ma vue. Tout était parfait. J'ai vu ta tronche et j'ai eu envie de gerber. Une montgolfière? On va voir. Hop là. Alors, je vous rappelle qu'il faut pas que je cueille les fleurs noires, les chardons noirs. Mais bon, ils ont du bol, j'en trouve pas. Oh, d'accord, c'est ça, la ville que je dois visiter. Pas mal. Il faut y aller en montgolfière, il faut payer. Laissez-moi deviner. Hein. Non, il y a un pont aussi. Mais il va falloir payer encore. Tu permets de faire des voyages en montgolfière, toi? Mais ça doit être payant. Hello, brave traveler. I can see you have an adventurous spirit. Ah oui! I've got an excursion you're sure to love. Righto, sharp as a knife you are. This here is the bursting bubble. It has the ability to... The ride is sure to give you a burst of adrenaline. You think so? I wish more people had your spirit. Last person here said they'd never ride it with a name that sounded so dangerous. Mais non. Oh good, I thought it was spot on. I'll keep the name then. Imagine just flying right up to the tip top of the world. Même les enfants. Like something everyone would want to do. But for some reason, folks just don't seem to understand the idea. They can't seem to picture a balloon carrying people in the sky. I've hardly been able to get anyone out here to see it in person. Ça veut dire qu'il faudrait que je retourne au village du début chercher le mioche. Oh non. Seems to me that you're full of good ideas. Mais si je vais chercher le mioche, j'aurai peut-être le droit de monter dedans. Voilà une idée à garder de côté. Je peux faire un tour, tout seul, sans personne. Allez, hop, pas ta crevure. Bon, c'est dommage, parce que le point de vue là-dedans, ça doit être monstrueux. Ah oui, des bacs, comme disait Nono. Hop là. On est reparti, en exploration. Et on va aller dans ce gros truc, cet énorme machin, qu'on appelle vaguement une cité, ou je ne sais quoi. Alors, il y a beaucoup de missions que j'ai pas faites, mais pff, on parie que le pont va être payant, ils vont me dire j'ai pas assez d'argent, donc je serai obligé de faire les peintures et les croûtes des différents personnages que j'ai croisés précédemment. Ça me semble un petit peu... fait pour. Que... Ah, il a pas l'air commode. Gros, t'es pas le frère à celui que j'ai vu au village là-bas, qui dit que t'aimes bien les gâteaux aux framboises et pas ceux aux raisins. Et sur moi, j'ai un sac plein de gâteaux. Ah, c'est une surprise. Salut. Ah, yes, a newcomer. May I see your reference letters, please? Eh ben... I'm afraid if you're seeking passage into Narva, you'll need 3 reference letters from citizens of Eastshade, signed and sealed. Ah. Well, you need to find people who are willing to vouch for your character and writing. Since you're a newcomer, you'll have to make some friends in the country. Will that be all, then? Ça va être ennuyeux, ça. It hasn't always been this way, but lately we've been getting more newcomers than usual. We don't want to be unwelcoming to new folk, but we are trying to have some measure of security. Will that be all, then? Oui. Stay safe now. Écureuil. Ça aurait pu marcher, merde. Ça se tentait, quoi. Tu... Référence, t'as référence, une lettre de référence. Need a lift? Non. All right then. Ah, mais je peux aller à Lido, mais gratos? Attends, je reviens, je vais voir ton pote. It comes. Qu'est-ce qui arrive? It may be the fiercest East Shade has seen in 100 years. Wait. The signs are all around us. Tu veux faire un concours de vieux? You must find shelter. Death
It is death! I must go! Be safe, traveler! Bah non, tu vois, parce que j'ai cette montre, et cette montre me permet de capter les différents signaux vitaux chez moi qui me permettraient de savoir si je suis bien ou pas bien. Oh merde. Je vais y aller. Mets-toi à l'abri quand même, hein, parce que tu vas choper la mort. Hop, on y va. Finalement, je veux bien que tu me ramènes avant que je sois trompé, quoi. Need a lift? Ouais. Alright then. Et donc, je retourne dans mon village de départ. Donc maintenant, je peux me téléporter. Enfin, me téléporter. Je peux avoir les voyages gratos et instantanés d'un endroit à l'autre de la map, ce qui est plutôt pas mal. Et on va aller s'abriter avant d'être, de ressembler à rien du tout. Toi, je te parle pas. T'as pas voulu me transporter la première fois, c'est fini. Je gueule. Je fais la gueule. Il est toujours là, le enfant. Non, il est parti. Ah, et l'enfant, j'ai un truc pour toi. Moum. Putain, mais que t'es con. Hé. T'as été fini à l'appel à neige, toi, c'est pas possible. Oh, purée, je vais aller dans l'auberge, je vais choper la mort, sinon. Le temps, mes amis. Bon, il y a moyen de boire un petit truc là ou faut que je me serve. Attends, je vais voir la donzelle. Peut-être elle va me payer un coup. Madame, madame, j'ai soif. Regarde-moi, putain, fais pas celle qui fait semblant de pas boire. Je supporte pas ça chez les PNJ. We've had quite a few shipwrecks here. There's a reef surrounding the bay, and that's what does it. It shouldn't slow down traffic too much, though. I work on the docks almost every day. If you ever have any questions about Lindau. On va zapper parce que j'ai une énigme sur ça à avancer, mais... I'd love to meet him. I remember playing in there as a kid. The ocean looks beautiful from the top. Comment je l'ouvre? That was the original Lindau. The town got destroyed after it rained every day for a solid month. The hill just slid away. There might be some stuff worth salvaging out there. Bah, moi je veux bien un hydromel encore. Ah, the traveling artist. C'est Wem. Goodness, that painting of the eclipse is lovely. Is it for me? Bah ouais, si tu me donnes de l'argent. I bet Sandra put you up to this. Ah, oh, this is lovely. You're too kind. I'm going to hang this in the room upstairs. Certainly. Alors, je peux m'acheter des trucs. Mais sans sonnerie, Jupiter est caractéristique de sa ville portuaire. L'origine semble en émaner. Donc ça, c'est de la drogue. Ok. Et ça aussi, c'est de la drogue, mais en plus cher. Je vais prendre la pas chère parce que je suis pingre. Je suis un artiste. Je suis pauvre et je compte chaque sou. Vous voyez? Je pense qu'on va faire une pause par ici parce que j'ai été très long. Ça fait combien de temps qu'on stream? 2 heures quasiment. Il fait très mauvais dehors. J'ai pas envie d'être trompé. Je vais aller me taper un petit roupillon, vérifier l'inventaire, voir un peu tout ce que j'ai. Alors ça, je peux m'en servir, faudra que je m'en rappelle. Ça aussi. Ça, je sais pas, ça doit être pour nettoyer mes pinceaux. Ah non, ça se boit. Et ah bah ça arrive. Oh. Les livres, j'en ai pas trouvé. Équipement, peau de balle. Et voilà tout mon merdier. En craft, j'ai quoi déjà? Ah, j'ai ça à crafter, mais j'ai pas trouvé d'enduit. Ça, c'est la misère. Je peux me fabriquer encore des cadres. J'en ai 4 d'avance, tout va bien se passer. Donc, ce qui est bien, c'est que le jeu s'équilibre tout seul. Régulièrement, des PNJ récupèrent mes peintures sans même me demander de mission. Mais ils sont tellement subjugués par mon talent naturel qu'il n'y a pas besoin d'insister ou de mission pour arriver à leur fourguer des croûtes. Je vous dis à tout bientôt. Je repasserai probablement dans la soirée pour un autre jeu. En tout cas, merci d'être venu sur stream. On se retrouve tout bientôt dans celui-ci ou un autre. Ciao.